Bonjour, je m'appelle Dr. Tin et bienvenue à French 1311, chapitre 4, leçon 1. Aujourd'hui, nous allons étudier les métiers. Les métiers. Hello, my name is Dr. Tin and welcome to French 1311, chapter 4. Lesson 1. Today we are going to study professions. Professions in French. How do you ask the question, what do you do for a living? Ça va? Très bien. Ok. Page 98. Page 101. 98. 101. Les métiers masculin pluriel, les métiers professions. Okay, now how do you ask the question, what do you do for a living? Okay, to ask that question you use the expression qu'est-ce que. You know qu'est-ce que already from our previous lessons, right? Qu'est-ce que c'est? What is it? Right? Très bien. So the same, qu'est-ce que, what, is used to ask the question, what do you do for a living? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Alright. Remember, fait, from faire. Très bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Literally, what do you do in life? Right? But it will not sound proper in English. So what do you do for a living? Okay, to use the vous form, the formal way of asking the same question. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Formal, informal. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? What do you do for a living? Okay, je suis. Person answering, we say, I am, followed by the profession, without the use of un or une. Okay, like if you ask me, qu'est-ce que vous faites dans la vie? I would say, je suis professeur. In English, it will translate into this the phrase, I am a professor, right? But in French, I just said, je suis professeur without the un. Ça va? Très bien. So that's the same thing happening here. Je suis un is not used here, right? Je suis un or une. The indefinite article is not used in this structure, right? Je suis followed directly by the profession, right? Je suis infirmière. 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 I am a nurse. As the feminine form of the profession. So the person answering is a woman. Je suis infirmière. If the person is a guy, see the masculine form here? Je suis infirmier. Je suis infirmier. Okay. Now sometimes the profession itself is used instead of the person talking about him or herself, right? So, je travaille dans l'informatique. Travailler, to work, right? So, I work in computer science. Je travaille dans l'informatique. The profession is used, right? Instead of the person describing themselves. Okay, if the person wanted to use je suis,
The person would have said, je suis si, informaticien, right? Je suis informaticien. If the person is a man, right? If the person is a woman, then the person here, infirmière, will say, je suis informaticienne. So, informaticien, right? Informaticien, masculin, informaticienne, féminin. Okay. Je travaille dans l'informatique. I work in computer science. Ah, je suis informaticien. Ah, je suis informaticien. Ok, je suis informaticien. Je suis informaticienne. Ça va? Très bien. Now, when the profession, the masculine form has an E, right? The feminine form is identical, right? Il est journaliste. Elle est journaliste. Let's say you ask the question, what does he do for a living? Qu'est-ce qu'il, right? Qu'est-ce qu'il? Qu'est-ce qu'il? You know, the E will go away and then you put your apostrophe because the subject pronoun has changed from tu to il. Right, qu'est-ce qu'il fait, right? And then the S will change to a T, the conjugation of the verb, faire, right? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? What does he do for a living? Il est journaliste. Il est journaliste, right? Il est journaliste. When the question is about a woman, it will be, qu'est-ce qu'elle, right? This will go away because of the L, the E that begins L, right? Qu'est-ce qu'elle? And there too, the verb will change to a T, right? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? What does she do for a living? All right? Elle est journaliste. Elle est journaliste. Elle est informaticienne. Elle est informaticienne. Right? Okay. Sometimes the question, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? What does he do for a living? Or qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Will be answered using c'est. Right? C'est. Okay. C'est. Alright, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est un journaliste. C'est une journaliste. Pour answer the question, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Right? When the question is on a female person, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? C'est une journaliste. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est un journaliste. Ah, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Un homme, répétez. Un homme d'affaires. Un homme, you know, un homme, right? C'est un homme d'affaires. He is a businessman. C'est une femme d'affaires. She is, right? A businesswoman. Now, if you want to use the third example of answering the question, il est, and then the un will go away. Il est homme d'affaires, right? Ah, il est femme d'affaires. The une will go away when you use the third example, right? Très bien. So, if you use c'est to ask, to answer the question, what does he or she do for a living? Then you will use the definite or the indefinite article, right? In front of the profession, the indefinite article. Un or
un when you use être with any of the pronouns je, tu, right? Il, elle, then you wouldn't use the indefinite articles, right? So, il est médecin. You won't use the un. Il est médecin. Elle est femme médecin. Okay? Il est médecin. He is a doctor. Elle est femme médecin. Without the indefinite articles, un or une being used. Ça va? Très bien. All right, here are some of the professions in French. We have the masculine and then the feminine forms of those professions. Okay, directeur, directeur, directeur de marketing. C'est marketing, right? Marketing. So head of marketing, head. I am the director of marketing. I'm the head of marketing. So, directeur masculin féminin. Directrice. Directeur, directrice. Okay? If it's a woman, then you will use the feminine form. Directrice. Directeur, directrice. Directeur, directrice. See the ending? Just like the adjective, if you remember. Enseignant, enseignant, enseignant. Okay. An instructor, right? The feminine form, just add an E. Okay. Okay. You do where to add your un or une when you are using se in front of the professions. When you just use je suis or il est or elle est, you don't use the definite, the indefinite articles, right? You will use the indefinite articles when you are using se in front of the profession. When you use je suis, tu es, il est, or elle est, or on est, right? The pronouns with the verb être, you will follow those expressions just by using the professions without the indefinite articles, un or une. So you will say, je suis directeur du marketing without the un, right? Il est directeur du marketing. Elle est directrice du marketing. Elle est enseignante. Right? The feminine form. If you use c'est, then you will say c'est une enseignante. C'est une enseignante. Okay. Okay. You do the same thing. Here. The T is gone. All right. T is gone. Okay. Étudiant. All right. The masculine form. The feminine form. Étudiante. You know that already. Étudiant. So, je suis étudiant. Je suis étudiante. Right? Without the un. I am a student in English, but in French, it will be je suis étudiant. Je suis un étudiant is incorrect, right? You use the pronouns with être without using the indefinite article. You just say je suis and then followed by étudiant. Je suis étudiant. Je suis étudiante. Right? If you use c'est, then you can use un or une in front of their profession. C'est
une étudiante. C'est un étudiant. Ok, psychologue, psychologue, feminine, both feminine and masculine. Psychologist, right? Violoniste, violoniste. All right, somebody who plays violin, all right, violinist, right? Okay, violoniste, violoniste. One word for both masculine and feminine people playing violin. Artiste, artiste, the same thing. One word for both masculine and feminine, okay? Comptable, répétez, comptable, nasalize, the P will not be pronounced, comptable, comptable, comptable means accountant, right? Dentiste, dentiste, one word for both masculine and feminine people. Journaliste, the same thing, right? Comptable, artiste, violoniste, psychologue, dentiste, journaliste. One word. Here we are dealing with the masculine and the feminine forms. So, il est avocat. The T is silent, right? Il est avocat, lawyer. Elle est avocate. You add your E and then you will pronounce the T. Elle est avocate, ok? Elle est, il est coiffeur, répétez, coiffeur, coiffeur, hairdresser. Elle est coiffeuse, alright? Il est directeur, elle est directrice, directrice, directeur. Écrivain, and then you put femme in front of écrivain. Okay, so écrivain, masculin, femme, écrivain, féminin, or you just add your E, écrivaine, écrivaine. Okay, facteur, facteur, écrivain means writer or author, right? Somebody who writes books. Facteur, post office worker. Masculine form, postman, right? Facteur, the feminine form. Factrice, factrice, just like directeur, right? Directrice, facteur, factrice. Okay, infirmier, infirmier, infirmier. Masculine form, right? Infirmier. Look how this is pronounced A, 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 the E-R. Infirmier, infirmière. The S sound here, the A sound there. Infirmier, infirmière. Okay? Informaticien, informaticien. Nasalized. The masculine form. Informaticien, computer scientist. Right? Informaticienne, informaticienne, computer science, scientist, a woman. Ingénieur, 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 masculin, right, engineer. Femme, ingénieur, femme, ingénieur. Okay, the feminine form, or sometimes they will just add the E here to make it the feminine form, okay. Musicien, 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 musicien. Okay, nasalized like informaticien. And then musicienne, musicienne. Okay, factory worker, ouvrier, ouvrier, ouvrier. Okay, factory worker, ouvrière, ouvrière. Policier, policeman, policière. Police woman, okay. Serveur, okay. Somebody who serves in the bar, okay. Feminine person serving in the bar will be serveuse, serveur, serveuse,
Now, when you have two people, one is working, one is staying at home, parenting their children, right? Now, père au foyer, père au foyer, père au foyer means stay at home father. If the mother is the one staying at home and the father is working, then you use mère au foyer. Père au foyer, the mother, the woman is working, right? Mère au foyer, the father is working. Père au foyer, stay at home father, okay? Mère au foyer, stay at home mother. Ça va? Très bien. Au revoir et à bientôt.